Initiating system 1. System 1 loaded. Hey, how are you? C'est Gunshow, et aujourd'hui je suis de retour sur Rust pour, faire un petit tuto pour, commencer sur Rust, on va dire. Pour les gens qui commencent le jeu. Donc voilà. Donc ça va être très très simple, vous allez voir. Je vais aller sur un serveur. On va aller sur celui-là, tiens. Il y a 32 personnes. Mais normalement, je suis déjà établi avec des gens de la team FMS. Donc normalement, ça devrait aller. Enfin, ça devrait. En l'espérant, quand on s'est pas fait raid. Bon, si on s'est fait raid. Limite, je pourrais vous montrer en live comment ce Rust fait. Donc, non, c'est très très simple. Donc voilà, c'est parti. Bon, ben me voilà enfin arrivé sur le serveur. Ok, regardez-moi ça. T'es chaud qui dort encore. Donc voilà, donc je suis sur le serveur. Ok. Apparemment, j'ai toujours ce qui me. Ce que j'ai sur moi. Alors, on va voir. Il n'y a pas un mur là? Ok, bon, c'est pas grave. Donc là, il y a notre petit Mike Brad qui nous a rejoint entre temps. Oh, il s'est fait quelques armes, ça va. Bolt et tout, bon, son lit, ok. Donc là, ça c'est. Apparemment, oui, c'était pas chez lui, donc il a dû, il doit bouger en ce moment. Donc voilà. Tac. Bon, ça lag pas, hein. ça rame pas normalement. Bon, après, je suis à des moments, je baisse à je sais pas combien d'FPS, je sais pas pourquoi. Bon, après, le jeu est tout le temps en alpha, donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble la base. Bon, elle est en mode construction, donc c'est pour ça qu'elle est pas tout à fait finie. Bon, après, il y a quelques erreurs, on va dire, dans le crafting et dans l'upgrading, on va dire, des parties. Donc voilà. Bon, allez, on passe par là. Hop. J'ai une pierre. Ah mais ça c'est pas mal, c'est qui a mis ça là? Ah, ça va être Mike Brad qui avait dû mettre ça. Ça c'est pour chercher les plans, ça c'est pour réparer les affaires. Donc c'est des bons trucs à avoir. Bon, ça c'est nos lits, on va dire, entre guillemets, du début. Bon, la peau, il a sa décoration de Noël et tout. Pourquoi il m'a mis un coffre là en plus? Non, c'est pas grave. Putain, il a pas chômé. Donc ça c'est toutes les nourritures. Est-ce que j'ai une pierre quelque part? Bon, on va faire sans la pierre alors. Oh, tiens. J'aurais bien prendre ça moi, ouais. Putain, elle a fait fondre pas mal de trucs. Oh my god. Ok. Alors. Je vais mettre ça. Une chest. Donc voilà, tac, il n'y a pas de rocher, ok. Il n'y a pas de rocher, je pense en avoir mis un. Ok. Bref, je vais vous montrer juste littéralement comment on fait alors. Alors sur moi, là j'ai une pioche, mais ça c'est un plan qu'on peut looter et qu'on peut avoir. Mais de base en fait, est-ce que j'ai une. Faire un. Au pire, non, je vais prendre ça. Hop. Ça, c'est pour récolter le bois, on va dire. Comment vous expliquer facilement. Ça, je vais le mettre dans l'inventaire parce que ça, c'est inamélioré. Donc, en gros, en fait, au départ, vous avez à votre petit rocher. Donc,
avec votre rocher, c'est tout simple. Voilà, je vais sortir quand même. Je vais sortir de la baraque. Hein. Donc voilà, hop. Ça enferme. Ça en ouvre. Voilà. Ça, c'est la fermeture électronique de base. Normalement, on l'a tous, mais. What? Non. Un fucking glue. Il y a un fucking glue chez nous. Ok. Toi, tu vas jarter. Tu vas jarter le loup. Je sais pas où il est. On va faire ça. On va faire ça. Hop là. Ah bah il est là, Whist. Et Loulou. Il est parti où, Loulou? C'est bien Whist. Ouais. Yo Whist. Ouais, je crois qu'il doit être AFK. Sérieux, il est Loulou. Après un loup, il y a un cochon. Je vous jure, c'est une basse-cour chez moi. C'est une basse-cour. Comment il est passé là? Ok. Alors on va éviter de marcher là. Hein. Heureusement que je viens de le voir, il y a un piège. J'ai évité de me faire prendre par le piège. Il est passé où le loup? Sérieux, il est passé où le loup? Non. Ouais, mais ça c'est, faudra que je continue. Je sais plus ce qui s'est passé là. C'est un peu le bordel, la construction là. Bon, le loup, je sais pas où il est passé. Et ça, franchement, ça m'enchante pas vraiment. Bon, après, je suis armé, mais bon, un loup, c'est, ça fait chier. Donc au pire, ouais, je vais vous montrer comment. Alors, on va tuer ça. Le cochon est mort. Donc après, avec le cochon, tu tapes avec le caillou. Enfin, au départ, non, dites pas que j'ai pris le piège que t'as choisi à poser par terre. Okay. Un petit bandage, vite fait, parce que sinon je vais clapser. Et je veux pas clapser. Ok. L'idéal c'est de regarder où je marche. J'avais comment zappé qu'il y avait ce piège. Ok. Bon, quand vous avez récolté, on va dire, le cochon, l'animal, vous recevez de ça et la viande qui est normalement du cochon. Donc voilà, au début vous avez 50 PV environ. Donc voilà, normalement là, à la base, j'ai un caillou. Donc quand on commence avec le caillou, en fait, vous tapez dessus et ça récolte du bois. Donc avec ce bois, quand vous récoltez, on va dire, bon, j'en ai 100, vous craftez du papier. Du moins avec ça, avec le papier, vous aurez de quoi en fait faire un. Bon, je vais pas le faire parce que là, je l'ai. Donc là, hop, ça, quand vous avez le papier. Là, qui est ici, vous allez, là, vous craftez le plan de construction. Après, quand vous avez le truc de construction, c'est simple, vous l'avez là. Donc là, vous faites clic droit, et normalement, vous avez toutes les constructions. Bon, d'abord, il faut faire une fondation, par exemple, hop, vous faites une fondation.
Et après, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Après, vous rajoutez une fondation où vous voulez. Enfin, tout dépend de la construction que vous voulez donner. Enfin, votre imagination, je sais pas. Ça, c'est pour les 1 sur suite, quoi. Ça apparaît comme ça, tac-tac. Et là, par exemple, ça, c'est comme ça. Donc, voilà. Pourquoi j'ai tout dit ce que je pensais. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est bois. Bon, maintenant on va essayer de trouver un point de récolte de fer. Enfin, du moins de minerai. Minerai. J'espère que Wist en a laissé dans le coin. voilà, alors. Évitez d'attaquer les ours si vous n'êtes pas prêt, et pour les loups pareil, hein. Si vous n'avez pas d'armes, d'armes à feu, je vous conseille de vous rabattre contre ces pauvres chevaux, enfin plutôt chevaux plutôt, ils sont plusieurs, et ces cochons là-bas, voilà, alors je veux un rocher, ah il y en a un là-bas, donc voilà, bon, vous avez bien compris pour le bois. Donc en fait c'est la même chose pour les rochers, donc c'est pas ce gros rocher qui est là, hein. Vous ne faites pas avoir, tapez pas comme un ouf pour dessus pour rien. Les récoltes de minerais, ça se passe sur ça. En gros vous tapez dessus et récupérez plein de minerais divers et variés. Hop, pour le côté, comme ça, et en fait pour même pour le bois il y a une barre de vie on va dire. Et vous tapez dessus pour récupérer. Et quand il y a plus de barres de vie, la ressource est récoltée. On va dire quelque part. Pour les recharges, on va dire de ressources, ça se passe pendant la nuit normalement. Donc à chaque nuit, en fait, faut le truc qui revient. Pourquoi il y a ces boîtes là? Je sais pas qui c'est. Voilà. Ah, je passe pas, je suis trop beau. Bref, voilà, c'est comme ça, ça passe comme ça sur Rust. Et après, ben, quand en fait, ouais, j'ai oublié de vous dire le plus important, c'est pour le menu, c'est Tab. Donc voilà, c'est Tab pour le menu. Là, ça vous affiche tout le menu. Et là, tous les choses que vous pouvez crafter. J'aurais bien voulu vous montrer pour apprendre des plans. Parce qu'il y a certains plans, en fait, enfin, tous les plans, normalement, vous les recevez sous forme. Par terre, dans des conteneurs, on va dire des barils que là j'ai pas du tout la visibilité. Je crois que je vais déposer les choses sur choses. Bon, ça, c'est un récolteur minier, donc ça après c'est vraiment utile. Ça consomme juste du gasoil, enfin, du moins du liquide du véhicule. Je vais faire une petite pause et je vous reprends après pour vous montrer en fait pour les tonneaux. Donc voilà, bon, à tout à l'heure. Ben, me revoici. Donc voilà, ça va être simple pour le loot des plans. Donc là, ça sera mieux en image. Donc là, vous inquiétez pas pour les textures de ce édifice, on va dire. Qu'il était implanté récemment et ils n'ont pas encore vraiment paramétré les choses, vu aussi qu'ils sont partis aussi en vacances, hein, ils ont le droit. Donc voilà, c'est comme ça. Alors pour là, en fait, ça c'est des caisses de loot. Donc dedans vous pouvez trouver de la nourriture, des armes, enfin un peu tout. Donc là je fais gaffe, attention qu'il n'y a personne, parce que s'il y a quelqu'un ça va être chaud. Donc, je suis armé, on va dire, avec un truc, voilà quoi. J'utilise mon arbalète, mais à la base vous êtes cailloux. Donc ça, hop, je récupère. Donc là, hop, ça on récupère, c'est des loot. Ok. Bon, après ça casse pas tout le temps. Bon, après on peut récupérer les flèches, enfin si le jeu le veut bien. Ok. Là on casse, des fois on n'a rien du tout comme là. Donc voilà, ça c'est pour les loot tonneaux et les loot de caisse. Donc après vous avez ce type de loot aussi, des loot vraiment pas mal là, 150 trucs qui se... enfin trucs, plutôt des parties de plans. Donc
que si on pouvait looter en fait dire dans les caisses là. Et aussi on pouvait looter dans ça là. Donc là dans ça vous lootez des armes et tout. Enfin tout ce que vous pouvez looter. Bon là j'ai looté un pantalon. De quoi voilà, un arc, des flèches. Donc voilà. Aussi pour les flèches en fait vous pouvez choisir le truc, mais je préfère ça. Ok, donc voilà, ça c'est fait. Donc aussi après je vous apprends pour les plans. Les prendre en fait on peut relever le plan direct, ça consomme 20. Et rassembler tout pour faire un 60. Ok. Donc là en fait vous améliorez, tac tac. Et là en fait après apparemment d'après un ami on peut créer, ouais c'est ça, lier ensemble les déchets pour réaliser un mot, ok, collection pour un livre ou un de blueprint, ok, donc en fait il en faut plusieurs pour faire ça, donc voilà, ça c'est pas mal, donc voilà, comme c'est assez rare, enfin c'est pas vraiment rare parce que ça loot, enfin ça respawn quoi, donc normalement ça c'est bon. Enfin, c'est un peu rare aussi de tout relier, on va dire. Enfin, mesure, si vous récoltez pas mal de plants, ça peut le faire. Mais après, c'est gare à vous si vous êtes tout seul comme moi là actuellement. Donc voilà. Bon, je vais rentrer à la maison, tranquillou. Donc voilà. Voilà. Que dire de plus? Donc voilà, avec ça, normalement, vous pouvez avoir les bases, on va dire. De construction, récolte, et après c'est à, comment dire, c'est à vous de chercher la petite chose, on va dire, après dans le jeu il faut chercher quoi. Non. Après sur le chat des fois il y a des illuminés, ça arrive dans tous les jeux vidéo de toute façon. Donc là moi je rentre à la maison hein. Donc je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur Rust, encore un loup. Bon le loup. Oh merde, ça l'a pas tué. Te retourne pas. Il est un petit peu bugué le loup. Après, on. Hein. Oh, c'est mal. Oula, un petit micro. Lagouné. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais après, le jeu, je l'ai à fond. Donc après, je sais pas si c'est safe. On va récolter le loup. Hein. Ça fait quand même de la nourriture. Ah oui, pour plus d'informations, si vous manquez de. Si vous voulez vraiment absolument des parties d'objets qui est vraiment nécessaire, vous avez ce petit arbuste qui s'appelle chandre. Chambre. Voilà, hop, vous ramassez. Et ça fait 20 tissus, on va dire, naturels. Mais bon, après, ils l'ont mis en tissu comme ça. Donc voilà. Donc c'est parti, là je rentre à la maison. Et voilà. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. C'était Gunjo. Bye bye.